Bonjour, aujourd'hui je vais répondre encore à une question, c'est est-ce qu'on doit laisser fermenter ou reposer le mix à glace avant l'utilisation de la machine à glace à italienne? Je pense que si vous le fabriquez, d'accord. Alors bon, c'est pas fermenté, d'accord. Fermenté, c'est mort après en général, d'accord. Il ne faut pas fermenter, d'accord, mais on dit maturer, voilà, c'est ça le mot que je pense qu'il voulait dire. Du coup, est-ce qu'on doit laisser maturer ou reposer, c'est ça, d'accord. Eh bien, le mieux, c'est ça, d'accord. Il faut toujours laisser maturer. Si vous mettez du stable, il m'a posé la deuxième question, c'est combien de stable en ferral, c'est en fonction de la recette qu'on a fait, d'accord. Ça se calcule, etc. Mais le faire maturer la glace, c'est important pour histoire de que tous les arômes se fonctionnent, d'accord. Ça, c'est seulement si vous avez fabriqué votre mix à glace, d'accord. Et ça, on laisse reposer, on va dire, à une température de 2, 3, 4 degrés maximum, d'accord. Il faut que, voilà, il faut toujours, quoi qu'il arrive, votre produit, vous le mettez au froid. Vous ne pouvez pas laisser traîner votre produit comme ça sur la table ou je ne sais quoi, d'accord. Votre produit doit être frais quand vous allez vouloir l'utiliser, quand vous allez vouloir le conserver. Si vous le mettez dehors, je parle s'il est ouvert, s'il n'est pas ouvert, c'est bon. Bon, si c'est pas ouvert, de toute façon, c'est vous qui l'avez fabriqué. Donc, du coup, il va être ouvert. D'accord. Donc, vous mettez bien ça au froid. Sinon, de façon, même si c'est un sorbet, hein, si vous mettez un sorbet, c'est pas du lait, mais je veux dire, le sucre va se transformer en alcool. D'accord. Du coup, après, c'est la cuite. Hein, d'accord. Une glace bourrée. Bon, je déconne. Ok. Voilà. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Je vous remercie pour le pouce bleu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. N'oubliez pas le point d'interrogation. Si vous voulez me contacter, ben, vous avez vu, on a un numéro de téléphone, on a un standard. Vous pouvez même réserver un appel téléphonique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.